Et salut à tous, c'est Lego Speed. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo d'Injunto. Aujourd'hui on va parler de la saison 17 et plus particulièrement du dernier leak qui a été partagé du coup sur un compte Instagram de chez Lego. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo sur la saison 17 qui fait un petit topo sur les informations que nous avons sur cette saison pour l'instant. Mais revenons du coup à cette vidéo. Le leak qui nous a été partagé ce vendredi 10 février vers l'heure de 22h-23h est le robot de Lloyd et celui de Arin qui a été dévoilé avec la photo dans une story. Le numéro de référence du set est le 71794 Lloyd and Arin Ninja Team Mech qui coûte 79,99€ pour 764 pièces. Du coup, d'après la photo qu'on a, qui a été partagée ensuite par Ridex Ninjago et d'autres leakers sur Instagram, on a pu y voir du coup les deux robots, celui de Lloyd et celui de Arin. Du coup, on voit la différence de taille entre le robot de Lloyd qui est assez grand par rapport à ce qu'on a pu avoir auparavant et un petit robot pour celui d'Arin. Pour ce qui est des figurines des méchants, alors, il y en a trois. Alors les deux premières figurines ressemblent du coup au concept art que je vous ai pu vous montrer dans la vidéo précédente où on voit à peu près que ça pourrait ressembler soit à des requins, soit à des espèces différentes qu'on ne connaît pas encore dans l'univers de Ninjago. Et l'autre figurine qui est pour moi la plus importante est celle qui ressemble particulièrement à un personnage que nous connaissons déjà dans cet univers. Et bien je pense du coup que c'est la figurine de Crux. Alors il faut prendre évidemment des pincettes, c'est juste une théorie que moi je peux affirmer entre guillemets, mais j'ai l'impression que d'après les cheveux et le visage, ça pourrait ressembler à lui parce que pour l'instant, nous n'avons que cette image-là qui a été révélée, qui est assez pixelisée. Donc pour l'instant, j'émets l'hypothèse que ça pourrait être Crux qui pourrait être de retour. Donc voilà à peu près pour ce set qui a été révélé du coup sur Instagram. Ensuite, pour ce qui est du set avec Nia et Arin que je vous avais parlé sous forme de rumeur dans la toute dernière vidéo, avec Nia et Arin avec le bébé dragon, à l'heure actuelle, ça continue à se confirmer que le set se rajoute à la set. Donc voilà. Je vous attends en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce set. Si vous aussi vous pensez que Crux est bel et bien de retour, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi je vous dis c'était Lego Speed. À la prochaine.